Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 4 du pass de combat de la saison 6. Donc tout simplement dans ce tuto je vais vous présenter les emplacements des sonnettes que vous devez sonner à une porte d'une maison où se trouve un adversaire dans plusieurs parties. Pour pouvoir valider ce défi vous allez devoir sonner à 3 maisons où il y a un adversaire dans cette partie. Donc je vais vous montrer les emplacements des petites sonnettes et des quelles maisons dans lesquelles villes vous pouvez aller. Donc je vais pas vous montrer tous les emplacements de toutes les maisons parce qu'il y en a vraiment énormément beaucoup, mais il faut savoir que sur toutes les maisons de qui sont décorées de genre en Halloween, il y a une petite sonnette comme ça. Donc dès que vous voyez des petites décorations d'Halloween, n'hésitez pas à aller voir s'il y a une sonnette. Normalement il y en aura une à chaque fois, et si vous voyez un ennemi rentrer dedans, n'hésitez pas à appuyer sur carré pour sonner. Vous avez juste à appuyer sur carré. Donc regardez, il y en a vraiment quasi à toutes les maisons, donc sauf celle-là. Pourtant celle-là elle a des décorations de Noël mais elle a pas de sonnette. C'est possible que ce ne soit pas obligatoirement toutes des maisons avec des sonnettes et des décorations d'Halloween quoi. Mais voilà, il y a beaucoup de sonnettes. Vous en trouverez partout un peu dans toute la ville. Donc vous avez juste à appuyer sur carré quand vous êtes devant la maison, donc devant la porte, et qu'il y a un ennemi pour valider la première étape. La ville juste avant c'était Pleasant Park, maintenant je vais vous montrer à Grazy Grove. Il y a aussi des sonnettes, regardez juste ici, voilà il y en a une. Alors ensuite il y en a là aussi. Franchement il y en a vraiment un peu partout, hein. Regardez, ici on voit la décoration parce que j'étais dans cette zone ici. À Pleasant Park on voyait pas les décorations parce que j'étais trop loin de la zone et en mode studio on les voit pas. Mais vous voyez il y en a vraiment extrêmement partout, donc là je vais vous montrer une autre ville. Je vais vous montrer Salty Spring et puis après je vous montrerai Retiro, ma ville préférée. Donc Salty Spring, il y en a là. En fait, il y en a vraiment extrêmement partout. Hein. Regardez, il y en a même là. Je pense que toutes les maisons à Salty en a une. Ouais, apparemment, jusqu'à présent, toutes les maisons en ont une. Ouais, toutes les maisons, donc les 5 maisons qui sont à Salty. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 maisons qui sont à Salty ont une sonnette. Donc maintenant, je vais aller voir à Retiro. À Retiro, il y a une dizaine de maisons. Est-ce qu'il y a une sonnette là-dessus? Une dizaine de maisons. Non, là, il n'y a pas de sonnette. Ouais, je crois que c'est... Ah ouais, je crois que les sonnettes, c'est que dans les villes. Hein. Je pense que dans les petits villages ou quoi, il n'y en a pas. Donc dans ma maison préférée, il y en a une. Nickel. Est-ce qu'il y en a une dans le magasin? Non, je pense pas. Ce serait un petit peu trop cheaté. Bon, après, je vous montrerai Paradis Palm aussi. Parce que Paradis Palm, il y a un bâtiment. C'est juste insane. Il y a une sonnette dans ce bâtiment. Et dans ce bâtiment, il y a toujours des joueurs. Donc, par contre, à Retiro, il n'y a pas énormément de sonnettes. Hein. Il y a une maison, deux maisons... Ah, et il y a une sonnette là. Ah non, il n'y a pas de sonnette. Deux maisons, ouais, il n'y a que deux maisons pour l'instant. Donc la porte d'entrée, c'est celle-là. C'est celle-là? Non, bah non. Il n'y a que deux maisons. Putain, Retiro, c'est pas rentable du tout, le mec. Hein. Donc il y a la maison ici, celle que je kiffe. Et il y a la maison tout en bas, là-bas. Voilà, c'est ça. Les deux seules maisons qu'il y a à Retiro. Maintenant, je vais vous montrer à Paradis Palm. Ouais, parce que les autres villes, j'ai pas trop besoin de vous les montrer. Je sais même pas s'il y en a, peut-être à Lucky Landing il y en a. Mais à Paradis Palm, il y a un bâtiment, il est juste énorme. Je vais vous montrer ça. C'est le bâtiment le plus énorme de toute façon. Tu vois les bails quoi. Alors ici je pense, je l'ai vu dans une vidéo je crois. Ou alors j'ai flashé. Apparemment j'ai flashé. J'ai flashé, je crois qu'il y avait une sonnette. Putain fait chier. On va regarder s'il n'y en a pas d'autres, autre part. À mon avis... Il doit y avoir... Ah voilà, là il y en a une. Et ça comprend toute la maison. Hein. Donc si... Je pense que s'il est ici, genre sur le balcon, je pense que ça fonctionne aussi. Peut-être qu'il faut vraiment qu'il soit dans la maison. Je sais pas. Par contre le garage, là je pense que ça fonctionnera pas. Hein. S'il est dans le garage, il faut vraiment qu'il soit dans la maison. Ici c'est pareil. Hein. Je pense que le garage ça compte pas, mais dans la maison je pense que ça compte. Donc ça, ici ça va. Il y a peut-être... Là aussi il y en a un. Franchement ici à Paradis Farm il y en a blindé les mecs. Donc franchement Retiro, Pleasant Park, Salty, ça vaut le coup. Regarde même là il y en a une. Franchement celle-là elle est bien. Franchement elle est bien parce que cette maison elle est vraiment immense. Donc ça va, c'est vraiment pas mal. Après j'aurais aimé qu'il y en a une ici quoi. Il n'y en a pas, ça c'est un peu dommage. Alors
Voyons voir s'il y en a d'autres. Là, il n'y en a pas. Et là, il n'y en a pas. Et là, est-ce qu'il y en a une? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Putain, la zone va me tuer. Vite, vite, vite. Oh, je suis trop rapide. T'as vu ça au cas? Je suis dans un lobby. Non, je rigole. En tous les cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que de vous avoir montré un maximum de sonnets. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool au mic et ciao. Peace. I'm me.